Et bonjour à tous, tout premier club Yu-Gi-Oh! De 2020, toujours en compagnie de Xari. Oui, c'est le tout premier club Yu-Gi-Oh! De 2020. Nouvel horaire pour cette nouvelle saison, tout simplement. Ce club Yu-Gi-Oh! Ce sera tous les jeudis à partir de 22h. Donc on commence là où s'arrêtait l'ancien club Yu-Gi-Oh! Et pour cette émission, je vous ai prévu une petite draft en compagnie de Xari. Le cube de draft, vous l'avez peut-être déjà vu, on l'avait utilisé une fois cet été et depuis on n'en avait pas refait, et étant donné que c'est un cube de draft fait pour 4 joueurs, et bien tout simplement on va dévoiler 3 cartes à chaque fois et on va en choisir une chacun. La dernière, on va la défausser et du coup, vu qu'on pique seulement 3 cartes, eh bien, j'ai enlevé un quart des cartes au hasard. Donc, étant donné que c'est moi qui ai fait le cube, normalement, je connais les cartes du draft, mais là, j'ai enlevé, un quart et du coup, je ne connais plus l'intégralité des cartes. Donc voilà, c'est ce qui va permettre d'équilibrer un petit peu. C'est vrai que t'as enlevé un tiers là. Comment ? Ah non, en gros, l'idée c'est d'avoir à peu près chacun entre 50 et 60 cartes. C'est déjà de l'autre côté quoi. C'est déjà de l'autre côté. Donc l'idée, on va récupérer entre 50 et 60 cartes et on va pouvoir se faire un deck de 40 cartes chacun pour s'affronter. Xari, un petit Shifumi, celui qui commence, va pouvoir choisir la première carte et à chaque fois je vais vous expliquer les effets quand c'est des cartes un peu tricky. Shifumi. Ah oui. Ah bah attends, tu vas peut-être pas faire un Shifumi. Bah trop tard, t'as perdu. Comment on peut décider ? Allez. J'avoue. Alors, on révèle les 3 premières cartes. Est-ce qu'on peut avoir une vue, s'il vous plaît, en régie ? Tu vas pouvoir zoomer hein, sur ces 3 emplacements. Donc, je te laisse faire le plan de cam. On perd pas de temps, parce que bon, la draft, ça prend un petit peu de temps. Je prends Jinzo. Tu prends Jinzo. Moi, je vais prendre... Coupe des As. Ouais, il vaut mieux que tu zoomes les 3 cartes parce que si tu zoomes à chaque fois. Ouais, zoom à chaque fois les 3 cartes. Moi je vais prendre Gearfeed. Hop, et ça, on défausse. Allez, 3 nouvelles cartes. Laisse zoomer, ça sert à rien de montrer ça. Donc là, vu que c'est toi qui as choisi en premier, ça va être à mon tour. Monster Reborn, Reflect Bounder ou Morphojar, je vais. Morpho, c'est fort quand même. Je vais prendre Morphojar. Morphojar, c'est vraiment trop fort. Alors, j'ai mis ça, moi, dans... Tiens, je vais mettre ça comme ça tu pourras m'aider à les mettre à chaque fois. Écoute, je vais prendre Cyber Phoenix. Ça sert à rien de toute façon. Hop là. Alors, c'est à moi. Ouais. C'est à moi. Je vais prendre... Hop là. La tortue électromagnétique. Fighter. Ouh, Xari qui va pouvoir pique en premier son plumeau d'Amarpi. Oh putain. Non, je vais prendre ça. Ah ouais. Ouh, pas mal. Ah what? Je prends les épées. Qu'il faut. Hop là, ça va assez vite, mais normalement les cartes, vous les connaissez, ce sont des cartes rétro. Et puis comme ça, on va pouvoir faire plus de duels. J'ai bien sûr prévu les decks de Club Yu-Gi-Oh! En plus. Mais on pourra... C'est à toi. Hein. Ah, c'est à moi, pardon. Je vais bien sûr prendre la hache du désespoir. Tranchant, héros des éléments. Oula. Victoria. Alors, le dragon Victoria, à chaque fois qu'il détruit un monstre, je crois qu'il peut spé un dragon dans le cimetière adverse, quelque chose comme ça. Ah, chier. Écoute, moi, je vais prendre ça, au cas où. Alors, ah what? Ouh. Mavalo, il gagne 500 à chaque fois qu'il y a un équipement qui lui est linké. C'est pas mal pour toi, mais bon. Cyber Dragon, c'est quand même mieux. Alors, est-ce qu'on prend le pot de dualité? Ouais, je vais prendre le pot de dualité. Et le... Ouf. Hop. Ah oui, t'as pris le pot de dualité, donc...
Marmite d'avidité. Non, mais gros. Mais gros. Le pot de cupidité, c'est tellement bon. Mais bah, oui, bravo, merci Sherlock. De rien, de rien, de rien. C'est à toi. Ah, là, on a un tirage burn, hein, quand même. Ouais. Un petit tirage burn. Un peu là. T'as, gros, t'as Monster Reborn, Plumeau et Pot de Cupidité. Xari qui est trop bien. Xari qui est tellement bien. C'est à qui? C'est à moi. Oh. Je te laisse Tornade Géante. Effectivement. Wow. À toi. C'est combien à peu près la proportion normalement? C'est 20 monstres, 14 magies, ouais. Et okay. 6 pièges à peu près. Alors. Échange, c'est vraiment à chier. J'avoue que échange, ça pue la merde. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi. Quoi. Un peu là, pardon. Devin Giski, c'est à toi de commencer. On va prendre ça, on va commencer à prendre des monstres à sacrifice. Hein. Ouf. Mais non, BS, c'est quoi ça? Ah, est-ce que tu peux lire Ça a détruit tous les monstres, si tous les monstres, toutes les zones monstres sont... Ah ok, s'il y a 5 monstres sur ouais. ton terrain, je fais ça et ça fait un Raigeki quoi. Non, on va prendre ça parce que j'ai de la lumière et des ténèbres. Le BLS est plutôt pas mal. BLS. C'est à toi. Écoute, je vais récupérer Marauser. Force. Alors c'est à toi, Xari. Ouais, 2 secondes. Tu fais quoi, les déjà? J'ai l'impression qu'on aura beaucoup, beaucoup de cartes. Je crois que j'ai mal fait mon calcul. Bah, je vais prendre ça. Hein. Je vais prendre ça. Je crois que j'ai vraiment mal fait mon calcul. C'est impossible qu'on ait, bon, qu'on ait que 60 cartes à la fin. On arrêtera avant. Hein. Au pire. C'est à toi. À toi de jouer. Gros, t'as tellement toutes les meilleures cartes magie ou piège. Magie. J'attaque avec ma magie. Mais gros, c'est insane la chatte que t'as. Ouais, ça va, frère. Regarde, Drainette, magicien. Alors, c'est à toi, Xari. Hein. Ouais, 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 je sais. C'est normal, le nom du stream, c'est peut-être parce que t'as pas F5. Je vais prendre Tomate Mist. Tomate Mist. Je vais prendre Book of Moon. Alors, bien sûr, dans une draft, dans un cube de draft, toutes les cartes sont en un seul exemplaire et ce sont des cartes jouables en solo. C'est-à-dire, c'est pas... polymérisation si. Avec des autres fusions ou des magies rituelles, etc. C'est vraiment c'est tout le principe. C'est à moi. Démon de la vanité qui est une très bonne carte qui empêche d'invoquer de manière spéciale. Donc c'est une carte qui est encore jouée de manière actuelle. Mais Mirror Mirror, c'est pas malin quand même. À toi. Waouh. Pas mal, hein. Bah écoute, on va prendre ça. On va prendre elle. Eh bah oui, le juge micro, t'as... Il a toutes les meilleures cartes, c'est abusé. Abusé, oui, bien sûr. Mais frère, c'est abusé. C'est une draft, c'est la... Gros, pot de cupidité, Monster Reborn, Sarcophage, Plumeau de Damarpie, Jugement Solennel.
Allez là, prends. Hommage torrentiel. Prends ça sûrement, non? Bah voilà, tu vois, regarde. J'arrête ce live. J'arrête ce live. Mais j'arrête ce live. Mais frère, mais t'as tous les meilleurs trucs. Bah c'est, j'y peux rien, gros. J'y peux rien. Ça va, là, t'as quand même le choix entre des cartes de fou. Pre-chat. Fais le malin, toi. C'est vraiment de la merde. C'est de la merde, on est d'accord. C'est d'accord. Enfin, ça arrive, il va être dur à gérer là. Ah mais t'as Jinzo en plus. Ah oui, d'accord. Mais oui. Attends, prends une carte peut-être. Ah oui. Il est vrai. Ah oh, voilà, bien l'orage pour toi. On peut là. On la peut carte là. Qu'il me fallait. Alors, troupes exilées, soldats canon. Le FF mental. Non, mais dites-moi pas qu'il a les meilleures cartes, quoi. Vas-y, question, on l'enlève. Pourquoi? Bah, c'est parce que si je sais que tu l'as, je vais t'avoir. Enfin, comme tu veux, on peut la laisser. Hein, mais de toute façon, j'allais pas la prendre, hein, mais. C'est quand même mieux, ça. Je me doute que t'allais pas la prendre, vu le petit cylindre qu'il y avait. Ah, bah là, je vais prendre ça, moi. Prendre ça. Non, quoi que. Ouais, je prends ça. Ça à qui? Ça à toi? Ah bon, ouais. Oh. Franchement, au pif, hein. Neospatian. C'est à moins 1500 attaques. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, on crée nos decks en direct. C'est à toi. Samouraï Sasuke. Ah, what? Prends ça, hein. C'est à toi. Qui va se mettre plutôt bien. On va prendre le dad. Hein. On va prendre le dad. Force de mire ou marshmall? Force de mire. Écoute, je vais prendre marshmallow du coup. C'est à toi. C'est à moi. Not bad. Contrôle mental, not bad. Ouais. Il y a des trucs pas trop mauvais, mais Vortex était pas mauvais non plus. Exact. Alors ça, toi et ton adversaire. Ouais, je sais. Tu spé en phase verso à mon de ton cimetière. Oh, il hésite, le Xav. Oh. Trap. Ah, what? Top deck, ça. Hein. Ouais, mais bon, ça, faut l'avoir en main de départ, sinon. Non, c'est pas fou, quoi. Ouais. Sinon, c'est pas fifou. C'est toi qui commence. Je vais pas hésiter longtemps. Hein.
t'avais le devin et t'as pas pris ça? Ouais, non, le devin, je vais pas le jouer. Tu me saoules, frère. Le devin. Je sais même plus ce que c'est, ça. Tu me saoules, quoi. C'est à toi. C'est à moi? Ouais. Pas mal, ça, avec la hache et tout. Écoute, après, est-ce que c'est le build que je vais faire? Pardon. C'est à moi? Ouais. Ouais. À toi. Alors ça, quand tu détruis un monstre, tu... Non. Ouais, quand tu détruis un monstre... Tu gagnes un montant de points de vie et équivalent à l'attaque du monstre. Bon, ça va pas être évident tout ça. Je vais prendre ça. Et derrière. Alors, il reste deux encore. Oh, il y a Radiegi. C'est à qui? À moi. Non. Bah si. Bah arrête de mytho. Bah si. Mais frère, c'est toujours à toi quand il y a des cartes pétées. J'y peux rien. C'est impossible. J'y peux rien. Hein. C'est impossible. Ouais, prends ça. Tu mens à chaque fois. Mais non. Mais gros, je veux peut-être jouer ça, moi. Bah vas-y, bah prends ça alors. Je prends ça. Attends, je réfléchis quand même. Je réfléchis avec ça. Ah mais non, c'est à toi de choisir, je crois. C'est à toi de choisir. Non mais il triche, on est d'accord. Bah j'ai choisi entre Johan et ça, tout à l'heure. Donc c'était à moi et j'ai pris ça. Bon, alors... Gros, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Viens, on fait des trades. Non. Tu veux pas des trucs chez moi? Non. Alors, en régie, vous pouvez... si vous pouvez mettre une cam sur moi. Et si c'est pas possible, mettez-la sur Xari pour l'avoir dans le bon sens. Mais histoire que les gens choisis, puissent hein. voir... Que les gens puissent voir ce qu'on va build comme deck, quoi. Non mais la cam ouais la zénithale quoi, genre sur le truc derrière le sur le côté en dessous du tapis de jeu si c'est possible. Ok, alors moi je vais regarder les monstres à sacrifice que j'ai, ça je vais jouer c'est sûr. Ah voilà, ça va arriver. Donc je vous attends, entre guillemets, pour faire ma petite liste. Je regarde un peu ce que j'ai. Ouais, est-ce que vous pouvez faire un swap? Non, ça on peut pas. Attendez. Bah... On va mettre Xari. Ok, ouais, si vous pouvez pas, mettez Xari, quoi. C'est combien de cartes en tout, du coup? 40? C'est 40. On peut side après ou... Oui. Bah moi... Moi j'hésite là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 37, 38, 39, 40, je pense ça. Je pense ça. Donc j'ai pris en gros des monstres qui sont forts de base. Donc 1900 d'attaque, les deux là. La rainette, ça peut toujours être bien. Notamment pour Jinzo et autres. Et ça te banne, donc c'est bien. Et après j'ai pris des monstres ténèbres. Parce que j'ai sorti du chaos. Et des monstres light, du coup, qui vont avec. Parce que j'ai aussi soldat du lustre noir, donc c'est...
c'est pas mal. Et après, j'ai pris les meilleures cartes pièges, hein, on va pas se mentir, les meilleures cartes magie que j'avais. Carte magie, j'ai tout pris. Et carte piège, j'ai enlevé ça, mais je suis pas sûr de mettre tous les... Est-ce que je vais vraiment mettre ça? Ouais, si c'est pas mal. En fait, tous les monstres ténèbres que j'ai sont corrects. Donc je crois que je vais les garder. Hein. Ça me paraît ok. On va voir comment on s'en sort. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. Wow, j'ai pas tant de magie ou piège que ça en fait. Je pensais en avoir beaucoup plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. T'en as autant que moi à peu près. Hein. Comment ? T'en as à peu près autant que moi. Hein. Ok, I am prêt. Non, pas moi encore. 14. Enfin, moi je suis prêt, oui. C'est quoi ça ? C'est de la merde. Ah, j'ai pas pris assez de magie. Mais... Ouais, ouais. 15. Je pense que ce que j'avais là, c'était des cartes. Ça, c'est à chier. Correct, à chier, correct, à chier, correct, bof en fait. Enfin, c'est ok, mais ça c'est ok quoi. 3, 4, 5, 6, 9, 10. Enfin, ça peut être utile, mais je pense pas dans mon deck. Donc, du coup, si jamais je dois ça, je prendrais ça, je pense. C'est bon. Bon, je vais pas être shuffle et on est bon, Xari. Est-ce que tu fais souvent des drafts, Xari? Bah, j'ai pas de carte. Non, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en faire quoi? Bah, non. Ok. Ils sont où les dés? T'étais là quand on en avait fait la toute première fois? Avec la main? Yes. Ça avait donné quoi pour toi? Bon, on peut plus, mais j'avais dû faire un 1, je crois, un truc comme ça. Ok. Bon, bah, on va pas aller loin. T'as fait? 4. 4. 6. Ok, 6. Bon, je te propose de faire un BO3. Et suivant si c'est serré, si ça vous amuse ou pas, on en refait une, suivant s'il y en a le temps aussi. Tiens. Tin. Trappe sans fond nul. Non, c'est pas que trappe sans fond nul, mais j'ai déjà trappe. Et en vrai, dans ce format, t'as pas trop besoin de regarder de bannière plutôt que d'aller au cimetière. Et sachant que trappe, ça s'active à partir de 1000. Trappe sans fond, c'est 1500. Toi, t'as un truc qui joue depuis le cimetière. En plus, t'as gardien Ethos qui aime bien bannir. Je sais pas. J'ai préféré mettre trap et je voulais pas mettre 2. 4, 5 et 6. Du coup, je commence. Hein. Ouais. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on chope? J'ai pris 6, mais c'est tout comme ça. Ah, sympa. Je vais commencer. Je vais poser un monstre face cachée. Ouais. Et je vais... terminé mon tour. À moi. Je vais jouer sarcophage doré et je vais aller chercher ça. Oh là 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 là, mais ce deck! C'est vrai que c'est pas mal quoi. Tiens. Oui, c'est bon. Je vais poser ça et je dirai attends. Non. Alors je pioche. No aggression here. Je vais faire Dryoïd. Bien joué. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, détruisez le monstre par l'effet de cette carte sans appliquer les dommages de combat. Je vais taper. Et du coup, on active. Ah, attends, c'est détruit au combat ta carte ou. Quand cette carte est envoyée, détruit au combat. Ouais, donc elle n'est pas détruite au combat parce qu'elle est détruite par l'effet de mon Dryoïd. Yes. Je vais tout simplement 7-1 et je vais dire fin de tour. À moi. Xari, il a draw x2. T'as 7 cartes apparemment, bro. J'arrive sur le live et Xari triche déjà. Mais non. J'avais 5, j'ai pris juste 6 au début. Ah si, j'ai pioché peut-être au début. Ah ouais, my bad. C'est vrai.
J'ai pris 6 au début en fait. Salut à toi, Soé. Je vais. Je vais. Tu vas, tu vas. J'ai combien de points de vie là ? 8000. T'attends parce que t'as trou noir et vortex foudroyant en main. Ce serait dommage quand même. C'est ça. Je vais jouer Assaillant DD. Je vais attaquer là. Que fait Assaillant DD ? Cette carte est détruite au combat avec un monstre. Enfin, on bannit les deux quoi. Si cette carte est détruite. Ok. À toi. Mais attends, elle est bannie aussi ? Non, lorsque elle est détruite. Mais là, elle est pas détruite. Elle a 1700, 1600. Ok, donc je suis pas banni. Non, t'es pas banni. Ok, pardon. C'est à moi ? Ouais. C'est à toi ! Alors, je vais piocher. Je vais sacrifier mon monstre face cachée. Oh, quelle... La tortue ! Et je vais jouer Caius, le monarque des ombres. Et je vais bannir ta carte. Et si c'est un monstre ténèbre, tu perds 1000 points de vie. Ce n'est pas le cas. Pas monstre ténèbre. C'est à toi. À moi. Peut-être te dominer, en fait ! Je récupère ça. Je fais ça. Allez, là, ça va peut-être pas être la même. Et du coup, j'ai perdu 100, ouais. En régie, si vous pouvez m'enlever 100 points de vie. Je vais poser ça. Je vais mettre. J'ai oublié de taper. Enfin, c'est pas grave, j'ai oublié de taper des points de vie. Je vais mettre Kaiser Seahorse et je vais mettre Mash Power dessus. Et je vais attaquer. Donc je gagne 1000. Oh merde, je croyais que c'était Gerfried. J'étais, ah bah tu peux pas, mais arrête pas du tout. Je gagne 1000, donc je passe à 2700. Bah t'es le boss. Ah, attends. Oui, tu peux utiliser la tortue magnétique antique. Tu bannis. Pour annuler les. Oh, il y a un coup de feutre sur ma carte. Je sais pas, frère. Écoute, je perds 300. Oh putain, j'ai pas attaqué. Je suis vraiment un bouffon. Je suis vraiment le pire bouffon, quoi. Oh, le fombe. Je vais piocher. Oui, c'est en effet le plan. Alors, je vais. What to do? Jouer Appel de l'étranté. Mm-hmm. Je vais aller rechercher Caius. Ouais. Et ensuite, d'accord, je vais jouer. Ouais, y a pas l'effet. Ouais, je vais jouer Tsukuyomi. Quand elle arrive, je peux flipper un monstre. Voilà. Et Tsukuyomi, elle revient en main à la fin de mon tour. Je vais dire battle et je vais taper avec Caius. C'est qui lui déjà ? Je vais faire ça. Mais ça. Non, mais ça va aussi 2400. Ok, end phase. Donc je perds 2400. Et à toi. À moi ! Je vais flip le monsieur. On revoit quand, Doc ? Bientôt ? Je vais faire Raigeki. Ça me fait pas rire. J'en ai rien à foutre. Le mec, il a Raigeki, Vortex et Trou Noir dans son deck. Et je vais invoquer le Cavalier Squelette Death Calibur. Et je vais attaquer. 3600. Bah, je perds 3600. Et c'est à toi. Je pioche. Do you pioche ? T'as combien de cartes en main ? 3. Je vais faire Morphojar, ça m'arrange. T'es genre. Allez là, joue ! Je vais te casser la gueule. Bah, tu peux, hein, mais. Elle a quoi comme effet celle-là ? Si tu fais un effet de monstre, j'annule l'effet en sacrifiant ce monstre. Mais je suis obligé de le faire. Donc si c'est un effet de merde, tu peux me le faire sacrifier. T'annules l'effet et tu détruis ma carte ou pas ? Oui. Donc si tu mets Tsuku machin là, il meurt. C'est pas mal. Mais il a les meilleurs. Il me saoule. Mais je suis obligé de l'annuler par contre. Donc si t'as un monstre qui a un effet genre gagne 100 points d'attaque, je suis obligé de l'annuler et de le détruire. Je
suis dévasté. J'ai envie de chialer. Frère, sans blague, je suis dévasté. Ouais, j'en ai absolument rien à foutre. C'est malin, ça. Je vais essayer de ça. Je vais essayer de ça. Ils ont combien d'attaques ? 3006. Et là, il te reste 1006. Bah, c'est très bien, ça. À toi. Je vais attaquer comme ça. À l'attaque ! Et Morphojar ! Alors, Morphojar ! Bah, ça fait pas l'effet, du coup. Je sacrifie un et l'effet est annulé. Voilà. Tu peux le faire en damage tête ? Bah, lorsque l'effet d'un monstre à effet est activé, vous devez sacrifier cette carte face recto. Je sais pas, je suppose. Oui. Bravo. Mais t'es con. T'as quand même demandé, quoi. Ouais, il est vrai. J'attaque. J'avais que des effets qui s'activaient. J'avais la taupe, j'avais Tsukuyomi et j'avais lui. J'étais condamné à mourir. La meilleure aïe, carte. Aïe. Ah, tiens, il y a Light Phoenix, il m'a dit qu'il était pas là. Ça annule Memor Forest. Non, parce que c'est marqué détruit le monstre. Bah, je crois, attends, je vérifie, mais. Tu m'as dit oui, hein. Tu m'as dit que ça détruisait le monstre. Annuler l'activation de l'effet, détruisait le monstre. Donc ouais. C'est bon. Non, ça détruit, ça détruit. Bon, bah, 1-0 pour toi, hein. Mais gros, ton deck, il est trop fort. Bah, est-ce qu'on pourrait pas rajouter une règle que. J'ai bien draft. On peut. Une fois dans la draft, on peut bannir les cartes. Bah, Oh, la tortue! Bah oui, mais bon. Mais contre ses morts, mais je suis nul! Quel dommage! Mais je suis nul à chier! En plus, à un moment, je me suis dit, mais tu fais pas la tortue, et je l'ai pas dit, évidemment, mais. Je suis nul à chier! Hop. Non, mais je suis sûr que je peux faire des trucs cool avec. Écoute, je vais commencer. Ouais. 3, 4 et 5. Et 6. Et 7. Joue ton harpie. Oui, bah. Joue ton SS là, contre mon deck. Mon deck de draft. Si je fais 7, je te mets une tarte. T'as bien de la chance. Allez, là, joue. Ouais, bah, je réfléchis. Mais tu vas pas me dire que tu lis tes cartes. Je réfléchis. Je lis pas mes cartes, je réfléchis. Non, arrête. Une fois dans le duel, t'as le droit de prendre une des cartes là et la jouer. C'est sûr. Question! À toi! À moi? Ok, je. T'as le droit de prendre. Hop, à toi. Tintintintin. Non, me dis pas que c'est Morphojar! Non! Tu l'aurais pas fait, pas deux fois, pas comme ça, Marshmallow! Oh non, mais quelle intelligence! Caius! Caius bonus. Sur ta carte. Et si c'est une. Je bannis ta carte, et si c'est une ténèbre, tu perds 1000. Ouais, par contre, est-ce que c'est considéré. C'est une invocation normale, ça? Ouais. Personne. Tu perds 1000, par contre. Ouais. Xari perd 1000. Yes. À moi. Papa, ta 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 ta. Je cède ça, à toi. Ok, je vais jouer ça, je vais attaquer. Je prends 1007. Je vais poser ça, je vais dire à toi. Putain, fais chier. Mon sang-gant. T'as eu deux fois Caius bonus. Quel cauchemar. Donc je prends moins 1000 et moins 1700 pour Zouzou. Je joue Genovirus. Tu fais quoi, lui? Je défausse une carte de ma main, je déclare un type de monstre et je détruis tous les monstres de ce type. Ok. Fais donc. Et je vais dire, je vais défausser. Et je vais dire terre. Bien joué. Et je tape à 1006. Ok, je prends. Ton petit jeu se retourne contre toi. La main? Ouais. À toi. Apparemment, tu pouvais faire ton sang-gant. Alors, Trap s'active sur la même chaîne que Caius, donc l'effet de Caius reste.
Ah, donc c'est bon. Sangan n'est pas banni. Ah. Terre est un tribu, pas un type. Oui, bah, t'as oui, dit bon, guerrier, quoi. Toujours bon à savoir, quand même. Mais... Bah, il faut qu'on soit sûr, en fait. Soyez sûr. Light Phoenix m'a dit qu'il était pas là. Et je l'ai vu sur le chat tout à l'heure, donc... Sangan est banni. Moi, je pense que Sangan est banni, hein. Parce que sur la chaîne... Vas-y, c'est à toi. Ouais. Dans la chaîne, je suppose que... Alors... Ensuite, je vais... sacrifier ça. Je vais jouer par chat. Et je vais taper. Oh putain, ça... C'est Perse-Dev, quand même. Ouais, mais je t'ai affiché des dommages. Du coup, je pioche. Okay. Et tu perds 1100. 1100. Ah, attends. Non, c'est bon. C'est à toi. Sangan est banni. Je suis là, mais pas dispo en vocal. Ok, pas de soucis. Merci à toi, Light. Il me reste combien de vie, là cette... Non, c'est pas de soucis. Zulu, on est bon au score ou pas? Non. Zulu, il a perdu 1700. Et moi, j'ai perdu... j'ai perdu 1000 plus combien 1100. 1100. Donc moi j'ai encore moins 1100. C'est à toi. Ok. Ok. Je vais dire à toi. Je n'en entendrai... Non, attendez, pas moins de toi. Cyber Dragon. Puis je vais faire. J'ai le seum, putain. Bon, j'ai le seum. J'ai le seum. J'ai le seum. Est-ce que je fais ça? Ouais, vas-y, je fais Vortex Foudroyant en sacrifiant ça. C'est bien, c'est que les monstres fassent recto. Ah ouais? Ah oui. Trop tard. C'est pas grave. non mais ça va, je rigole. Pour invoquer ça, toi, ça. Ah, d'accord, ok. En bannissant ça, du coup, et lui. Oui, d'accord, bah c'est pas fort, alors. Et je vais sacrifier ça pour mettre lui. Comme ça, on est bien. Non mais ça va, on est où, là? On est au championnat du monde ou quoi? J'attaque ici. J'attaque. Ok, je perds 2400. C'est à toi. Bon, là, j'ai all-in. Hein. Je me suis dit, si j'ai Jinzo, on est pas mal. Non, t'avais pas de carte magie. Hein. Ah, tu cherches... Je cherche rien du tout, je trouve, moi. Bah, vas-y, trouve. Hein. Je trouve. Perdu 2400, hein, Zou. Je vais jouer le guerrier des dés. Ok. Et le guerrier des dés, il va taper ici. Ok. Tu prends combien? Je perds 1008. 1008, ok. Et lui, il est banni? Ouais. Ok. Fin de tour. J'attaque. Tu perds 800. Ok. Sinon j'étais mort. Ouais. Donc tu perds 800 l'attaque. Du coup ça me fait 1600. Je perds 1600. T'es à 500. À toi. Jinzo. On va faire pot dualité. Vas-y. Oh, fracasse. Oh, pourquoi pas. Après, fracas, ça te servira à rien, puisque Jinzo sera là pour le détruire. Tu prends fracas quand même. Fracas. Fracas. Ok. Oh, je peux peut-être remonter. Attends. Oh, c'est tendu du slip. Oh, c'est tendu du slip, putain. C'est tendu du slip. Ah, c'est pire que ça, là.
Ah, quelle grave erreur, dommage. Il me reste 500. Ok, je vais faire fracasse. Vas-y. Compteur. Ok. J'ai 2400. Mmh. Ah oui, tu pouvais pas l'activer, je suis con. Non. Ok. Mais tu pouvais pas savoir, hein, tu pouvais pas savoir ce que c'était. Oui, mais j'aurais dû me dire, oh, j'avais peur que d'un piège quoi. Et du coup, tu pouvais pas activer sur Jinzo. Et du coup. Garé à des 1900. J'aurais pu beaucoup mieux jouer. Tant pis, je suis nul à chier, je perds parce que je suis nul. Suicide hein. Ou suicide pas? Je suis suicide, hein, je suis obligé. À toi. je suis nul. Ange de loyauté. Je dois retourner deux monstres, pas minimum un. De retourner deux monstres. Ah, avec le soldat pingouin. Ouais. Ouais, non, je perds sur des conneries, quoi. Un BO5 plutôt, non? Si tu veux. Bon, on fait un BO5. Et si on termine ce BO5, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On refait une draft? On va pas refaire toute une draft, gros, c'est long. Hein. Une draft pour 3-4 duels. Oui, en fait, avec mon guerrier DD, j'étais obligé d'aller dans son BLS, parce que BLS, il a un effet de bannissement. Et d'ailleurs, BLS, je crois, quand il détruit un monstre, il peut rattaquer. Peut-être. Je commence, ou du coup, c'est toujours à toi? Je vais commencer encore une fois. Hein. Ok. Ça me dégoûte, mais il n'y a pas de souci. À toi. Me si. Car j'invoque Cyberdragon. J'attaque. Oh, pas mal. Oh. Pas le mal. Je vais faire transaction du monde ténébreux. Alors c'est quoi? On pioche puis on défausse? Tout le monde pioche 1 et après on défausse. 1. Je vais défausser Renet. It's not bad. It's not bad. Allez, on défausse, Zouzou. Et c'est à toi. Oh, nué de Scarab, eh. C'est à toi. Ah, c'est pas mal. C'est à moi. Alors je pioche. C'est-à-dire que si t'as défaussé ça, c'est-à-dire que tu as du lourd, mon pote. Oh là là, non. Hein, non, t'es obligé de faire comme ça, par contre. Voilà. Putain, mais ça, tu l'as trois fois en main. Putain. Chaque fois, je me fais baiser mes mères. Et je tape. Ok. Attends. Appel, je crois qu'il reste. Trois fois Caillou. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez. Okay, je prends moins 1000. À toi. Avec Zarek qui prend moins 1000. Je vais faire ça. Je vais prendre ça. Ah, sa combo qu'il avait tellement préparé quoi. Oh, une combo, hein. C'est juste que j'ai besoin de cartes quoi. Je vais faire ça. Et j'attaque. Et ouais, moins 300 aussi. T'attaques. Ok. Je prends 900. 900. Donc Zari, 900 plus 300, 1200. Donc enlevez 1200, Zari. À toi. Quoi lui? 1006, il tape à 1006, je peux défausser une carte de ma main et détruire tous les monstres de la tribu. Enfin, du type. À moi. J'attaque. T'as 1009? Ouais. Je réfléchis. Ouais. Réfléchis. 1900! J'ai eu moins 1000 de tomato et moins 900 sur Caius. Ouais? Ok. À toi.
En tout, j'ai pris combien, moi? J'ai pris... Je tape. Ah, il y a pas... Mon monstre, il perd pas 500? Non, non, c'est moi, je gagne 500. Mais ça sert à rien, j'ai pas... Si, si, si. L'attaque et la défense d'un monstre qui détruit cette carte à l'issue d'un combat sont diminuées de 500. Ok. À toi. Hop, je pioche. Appel est censé rester. Je récupère ça que je joue. Oh, cette combo. Ah, what? À toi. Alors, je pioche. Fait quoi lui, il détruit? Ok, je récupère. Attends. Ah, c'était sanguin. Ouais. Ah, lui, c'est pas qu'il détruit au combat. Oh là 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 là. Bien wedge. Oh le BLS. Tu peux pas, hein. 1500 attaque ou moins. J'étais à... Ah ouais, c'est fort cette combo. J'avoue. Non, je ne connais pas, mais ça a l'air fort. Perdu dans la. Ah oui, c'est vrai que t'es un peu. Alors la régie, vous pouvez envoyer enlever 1800 points, Xari, s'il vous plaît. 1500 d'attaque ou moins, bah oui. Je me disais, c'est un peu fort. 1500 d'attaque ou moins. Je prends ça. Bah 2000. C'est de défense ou d'attaque? D'attaque, non? Ah ouais, c'est bon. Ok. Moi, je pense. C'est l'attaque. Oh, t'as mis ça dans ton deck. C'est pas con. Oh, c'est bon. Oh, merci. Oh, quel dommage. Trou noir. Merci. Et gros, t'as pas le droit? À toi, mon pote. Pardon. Trou noir. Effet. On fait un pile ou face. Père, impair. Non, mais je dois quand même faire ça. Ça révèle quand même le mob. Ah oui, on l'a pas dit. Père, ça fait l'effet, et impair, ça fait pas. Ok. Oh là 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 là. C'est à toi. Ah, je lui mets la presse, là. Mais le problème, c'est qu'il a 4 cartes en main. Deck cancer, on est sur une draft, hein, les gars. Je vais faire ça. Attends, bah, je peux pas le faire parce que j'ai une chance sur deux de mourir, donc vas-y, à toi. À what? Alors, je pioche. Deck cancer, hein, par contre. Ah merde, je suis trop con. Depuis tout à l'heure, il y a la rainette que j'oublie de réinvoquer. Je suis un fond bouf, putain. Ah, Xari! Je vais la mettre là pour bien l'avoir. Quel fondbou! Tsukuyomi. Je tape. Adios. Regarde-moi pas comme ça. Quel dommage. Une patate, moi. Quel dommage, fondbou. Je vais te foutre une barrette! À moi? Putain. Renette. Oh, Renette en ultimate! Je vais jouer lui. Faire ça. Non mais de là, je peux plus gagner, mon frère. Je vais attaquer. 2004. 3004. Je réfléchis. 3004 dans ta tête. Tout. Dans ta tête. Désolé. Putain, tu me saoules. Bah ouais, je suis trop... Parce que t'es de la chatte, là. Je suis trop fort. J'ai bien drafté, quoi. Ferme-la. Sur Hearthstone, j'ai des 12 victoires, quoi, en arène. Bon, allez, fais ton truc, de toute façon, ça servira à rien. Vas-y, je fais la roue là-dessus. Ah, bien joué. Je peux pas attaquer, donc je prends que 1005. Ouais, tu prends 1005 à toi. Je suis condamné au top deck, frère. C'est à toi. C'est tout? Ridiculous, je prends 500. Ouais. Je prends 500. Je vais faire ça. J'ai récupéré
Cyber Dragon, c'est pas mal. J'attaque. Piouf, donc 2100, 3006. À toi. Contain, old top deck. Vas-y, pioche. Je joue. Pioche. Non, c'est bon. Oh, ça fait peur. À moi ? J'avais ça aussi. Gros, t'avais quoi ? C'était quoi ? T'as eu la meilleure. C'était quoi ? Morphogenre, mais j'avais ça. Qui annule les Morphogenre. Oh oui, mais gros, j'ai fou loose. Tiens, reprends ton caillus bonus là qui t'a fait perdre 3 fois de suite. Non, mais j'étais nul, t'as été meilleur. Gros. Bah, j'ai été 3-0 sur une trappe. Je te propose un beau jeu où on échange. Je vais sûrement perdre parce que tu draftes comme une merde, mais. Mais gros, t'es de la chatte, t'as eu tous les merdes magiques. Bah, désolé, mais. Pour que je te laisse un peu goûter à la victoire. C'est comme si j'étais Yugi et que toi t'étais genre. Joey, même pas une merde là, comment elle s'appelle l'autre là, okay. Tristan, et je te prêtais mon deck quoi. Ça marche. Je prends la bande 10, tu as le deck de Zari. Désolé, j'ai été trop fort. Par contre, vu que c'est ton deck, c'est moi qui commence. Hein. Ok. De toute façon, tu vas avoir Cyber Dragon de toute façon, donc y a aucun souci. Putain, je suis naze quoi. Naz. C'est impossible de perdre avec ton deck, frère. C'est vrai. C'est vrai. Il est vrai. What? Mort. En soi, tu peux le bannir si tu veux. Après le calcul des dommages, je sais pas, les flips ils se font quand ? Bah, c'est avant, parce que si tu dérévèles le monstre, après tu stack. J'ai un trou, mais. Oui, on joue avec les règles rétro. Hein. Tu peux le bannir si tu veux. Tu peux faire double ban si tu veux. Ouais, vas-y. Mais ça change, enfin, je sais pas ce que ça change, mais. Toujours à toi. C'est à toi. Ok, merci mec. Samurai Sasuke, j'attaque. C'est tout ? Je prends. Je perds 1200. À toi, mon pote. J'attaque. Père, ça marche, impair, ça marche pas. Enfin, t'actives l'effet de Sasuke. Dommage. Ok. Et tu perds 500. C'est toujours à toi. Enfin, c'est à toi. Calcul des dommages, puis effet flip. D'accord. Donc, je peux bannir. Et en fait, tout à l'heure, j'étais deck parce que quand tu m'as fait défausser, cette carte, en fait, quand elle est défaussée, je peux aller récupérer un flip de mon cimetière, le mettre à ma main. Et du coup, j'étais, ah putain, j'avais juste pas de flip, quoi. Dommage. C'est à moi ? T'espères toujours gagner, Xari, ou pas ? Oh bah non, c'est ton deck de merde. Allez hop, plumeau. Oh, aïe aïe aïe. Ensuite, je fais ça. Mm-hmm. Je tape à 1009. Mort. Ok, je tape à 1007. Tu perds 1007. Ouais. À toi, Xari. MDR, il a deux cimetières, Zulu. À toi. Quoi, j'ai deux cimetières ? C'est banni et c'est cimetière. T'inquiète. Euh.
T'as combien? T'as 6003 encore? Je vais taper à 1009. Oh là là! Et je tape à 1002 et à 1007. Est-ce que ça passe? Ouais. J'avoue, à la dernière game, j'avais encore. 2009? Non, tu l'avais pas, je crois. Si, si. Ah ouais, peut-être. Ah ouais? T'as, j'oublie à chaque fois la tortue. À moi? Ouais. Ah, tu fais-moi le malin! Attends. Pioche! Ouais, je fais le moins le malin, c'est ton deck, il est nul. Je peux gros, t'as vu la chance de ouf que t'as eu quand même? Dommage. À chaque fois que c'était à toi, t'avais soit un violent, une. un trou noir, un truc dans le genre. Quoi. Nocturne. Je tape à 1009. Faire ça. À toi. Xav, te laisse pas faire. Non, non, mais t'inquiète. Tout est maîtrisé. Je vais faire ça. T'as pas de monstre. Du coup, il y a comment qu'il fait. Oh putain. Prendre lui. Le Sasuk. Ouais, le Sasuk, ouais. Je flippe ça. Putain. Ah, attends. Ok, my bad. Tu m'autorises le replay. Je vais faire ça d'abord. Parce que, en fait, c'est, j'avais oublié que tu défaussais, donc c'est un peu con. Et je vais détruire. Lui. Enfin, je vais bannir lui. Attends. Vas-y. Ouais, vas-y, tu bannis lui. Du coup, tu perds 1000, et ensuite, je fais ça. Ok. Je perds la moitié de mes points de vie. Ça, ça fait quoi ça? Donc je perds 6000, je perds 3400. Ça c'est détruit. Paye la moitié de vos points. Annuler l'activation d'une carte magie piège, invocation normale, invocation flip, invocation spéciale et détruisez la carte magie piège au moins. Et moi je perds la moitié de mes points de vie. Ok. Ah, apparemment je perds 1000 d'abord et ensuite c'est la moitié. Mais je pensais qu'ils avaient déjà enlevé les 1000. Donc remettez-moi mes points de vie. Donc je suis à 5004, tu perds 1000 d'abord. Ouais, donc je suis à 6004, je perds 1000, 5004, et ensuite je perds la moitié de 5004. 2700 il te reste. 2700. J'attaque ici. Donc tu perds 500, donc t'es à 2002. À toi. Monster Reborn. Monster Reborn. J'ai que de la merde. Je vais pas te mentir. C'est tes cartes, quoi. C'est des trucs bien. Tu le sais pas encore, c'est tout. Oui, j'ai Samurai Sasuke ou ça, quoi. J'ai nos virus. Ah bah, c'est deux trucs qui sont ok. Qu'est-ce c'est que okay. Fait avec toi, le petit Xav? Je vais jouer Chasseur de Précision. Il lui reste 2200, Azulu. Voilà, tu as gagné, hein, si tu me tues. Si tu me passes. Je vais attaquer et je vais chaîner ça. Mais pourquoi tu juste tu fais pas ça? Tu tues ça et tu m'attaques et j'ai perdu. Il me reste 2900. Mais vas-y si tu veux. Ok, bah il meurt. C'est vrai. Donc tu... J'étais à 1200. Ah mais attends, la moitié de 2004 c'est... 1200. 1200 et je tape à 1005. Je perds trop de 2000. Mais je suis con. Je suis vraiment con. À moi ? Parce qu'en plus, j'ai ça et je le fais pas. Quoi. C'est pour faire durer le plaisir. Voyons. Attends. Non, vas-y, je vais faire ça et je vais faire ça. Et j'attaque là. Oh. Donc, t'as 1008. Tu m'enlèves 300 ? Ouais. Moins 300 pour Zulu et à toi. Monster Reborn. Ouais.
Monster, Monster Reborn. Mais t'es con. Quoi? T'as dû prendre le virus. Pour comme ça, tu me tuais ça et je récupérais par un mob. Parce que là, ça se trouve, tu vas pas me tuer. Oui. Attends, t'es vraiment à rincer, gros. Bon, tu comme m'attaques. Un popo. Attends, attends, attends. Cher ça. Ah. Okay. Ah, bah voilà. Ça t'a galéré quand même, hein. Oh là 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 là. Traxari qui me surpasse, quoi. Bon, bah après, c'est vrai que ma draft était... Après, à deux, du coup, il y a plus de variance, quoi. Forcément. Ouais. Mais bon. Bon, alors, on a d'autres decks, là? Ouais, on a les decks. Vas-y, attends, on va juste regrouper les cartes de la draft. Ouais, elles sont là. Mais ceux-là, quoi. Hop là. Zulu qui rame. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que quand je prends pas assez le temps de réfléchir, quand je suis en émission, j'essaie de jouer relativement vite. Et par contre, en game, et c'est ce qui m'a choqué, parce que pendant les vacances, j'ai fait un tournoi à Dunkerque. Il y a les replays qui se trouvent sur YouTube. Je suis à la fois nul à chier, et je mets des plombes à jouer mes tours, quoi. Mais par contre, c'est très intéressant de se revoir jouer. Et si vous voulez voir les replays... Oh. À la fois nul. Après, quand tu vois les replays, tu te dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça et ça, non? Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme mot-clé? Mettez Zulu, duel, tournoi Dunkerque, Harpy, boss, vainqueur, déchaînement OTS. Je sais pas, je connais pas le nom de la chaîne. Vainqueur du tournoi, non? Sur laquelle ça a été vainqueur du tournoi. Vous pouvez mettre ça. Il y a que ces 4 decks. Mais mes games, elles sont pas dingues. Il y a que ces 4 decks? Ouais. Vas-y, go, go faire random, non? Ah ouais. En fait, moi, j'ai modifié celui-là, du coup, je vais le jouer. Monstre normaux? Comment? Monstre normaux, t'as modifié? Non. Ah, ok. Mais prends le deck que tu veux. Alors. Zulu Dunkerque, ça devrait suffire. Non, je pense que si tu tapes Zulu Dunkerque, tu tombes pas sur la vidéo. Oh, Zulu Dunkerque, tu tombes sur quand il a été élu maire. Élu maire. En 2003. N'importe quoi. N'importe quoi, mais non. T'es le boss. French Eggs play bad deck and lose. Ouais, c'est à peu près ça. Bad deck and lose. Non, mais c'est ouf, quand tu te regardes en replay, tu vois tous tes misplays, quoi. 6. C'est ultra intéressant. Je suis en dessous de la moyenne, donc normalement, tu gagnes. Voilà, 8, bravo. Mélange bien les decks parce que je les ai tous triés pour faire les listes. Tu pouvais pas le dire avant. D'ailleurs, je vais poster sur mon Twitter les listes de Club Yu-Gi-Oh! Je les ai toutes faites pendant les vacances. Et j'ai même fait des lives où je refais certains decks, dont celui-là. Que je vais jouer aujourd'hui, donc voilà, il y a peut-être certaines personnes. T'es vraiment le boss, Zulu. Vainqueur du championnat de France 95, vainqueur du championnat d'Europe 97. Putain, j'ai vu un vieux reportage sur les tournois Yu-Gi-Oh! Où il y a plein de gamins qui font les tournois et ils jouent des cartes sans slip, quoi. Et t'es là en mode ah, ça fait mal un peu, genre ça. C'est à moi de commencer, du coup. Ça, c'est ouais, ouais, ouais. Et ben écoute, c'est à moi de choisir, donc je vais commencer. Oui, je me doute. Ouais. D'ailleurs, il y aura bientôt des gros changements dans Yu-Gi-Oh! Déjà, il y a une banlist qui va bientôt arriver pour le format compétitif. Et ensuite, au mois d'avril, eh bien, il y aura des nouvelles Master Rules. Les Master Rules, c'est ce qui stipule, par exemple, que maintenant, pour faire des invocations spéciales, on doit obligatoirement les faire dans la zone, zone extra. Et tout ça, ça va changer au mois d'avril, où on va pouvoir... de nouveau invoquer des cartes X's lien, X's synchro et fusion depuis son extra deck n'importe où sur le terrain, et donc ça va changer énormément de choses. Il y a des nouvelles extensions qui vont sortir, dont une notamment avec pas mal de nouvelles cartes Magicien des Ténèbres. Donc le deck Magicien des Ténèbres va redevenir hyper intéressant, et ça c'est cool. Magicien des Ténèbres. Ok, j'ai 5 cartes. Palapapam. Et je pioche ma sixième. Alors, à quelle sauce on te mange, Xari? Voilà, ça va pour l'instant. C'est... Je vais jouer Convulsion de la Nature, déjà. Hop là. Ensuite...
je vais jouer ça, ça, et je vais terminer mon tour. Ok. On joue sous quel Master Rules? Là, on joue sur les premières Master Rules, quoi. Un ou deux, mais... ou trois, peut-être. Mais je les ai pas en tête. C'est un dénerve des anciens decks, c'est exactement ça. À toi. Donc ça devrait faire plaisir à pas mal de d'anciens joueurs. À toi. Alors je pioche. Oh non, qu'est-ce que tu pioches? Oh là, je viens de tricher du coup, parce que oui, j'ai vu la carte. Eh bah, ça dégoûte. Ça dégoûte un peu. Hein. Tu joues rien du tout, toi? Bah j'ai joué ça. Ok. Je vais flip ça, je vais dire battle phase et je vais taper à 1000. Ok, il fait quoi lui? Quand elle est détruite par un effet ou au combat, je peux ajouter une carte archédémon de mon deck à ma main. Et ensuite je vais dire main phase 2 à toi. Ah, moi je vais jouer Horus de la flamme noire. Ok. Je vais faire... Du coup. Si. Tu détruis, tu m'infliges 500, c'est un dragon, c'est ça? Ouais. C'est quoi? C'est une piège continue. Chaque joueur, pour déclarer une attaque, doit défausser un monstre de sa main. J'attaque. Là, les ennuis vont commencer. Sa mère. Ok. Et du coup... Je perds 600. End phase. Tu oh. actives l'effet de Horus LV4. Oui, évidemment. Horus! Ah, j'ai pas mis de level 6, hein. T'imagines. Niveau 6 apparaît! Qu'est-ce que t'as fait là? Ah, c'est quand tu vas ouais. détruire. Moi j'ai activé l'effet de mon Archédéon. Et du coup, je te prie de couper pour voir quelle carte je vais piocher. Ah oui, pardon, on coupe. Oh, pas mal. Ouf. Et c'est à toi. Alors je pioche. Alors lui, il est affecté par aucune carte magie, c'est ça? Ouais, exactement, exactement, ouais. C'est exactement ça, ouais. Oh, le devin Gishki. Bibliothèque. Pas mal, gros. Je vais jouer un jour de paix. On va piocher tous les deux. Ouais. Et aucun de nous prend, perd des dommages. Ouais. Jusqu'à la fin de ton tour. Je vais jouer serment. Je vais payer 500 points. Mmh. Je vais essayer de deviner la carte qui se trouve au-dessus de mon deck. Et si je la trouve, je l'ajoute à ma main. Oh, GG, mec. Je paye 500. Donc je perds 500 points de vie. Moins 500. J'ai convulsion de la nature. Ouais. Et je récupère ça. Bien joué, mec. Honnêtement, j'ai. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je vais jouer convulsion de la nature. Ouais. Du coup, on retourne. Non, pas du tout. Ah bah attends, en vrai, je regarde, mais. Non. C'est tant que cette carte efface recto sur le tas. T'inquiète. Je vais. Hop là. Ouais. Ensuite. Je vais. Jouer devin Gishki. Mm-hmm. Je vais essayer de deviner la carte au-dessus de mon deck. Mm-hmm. Je vais dire le vrai nom. Mm-hmm. Et je l'ajoute à ma main. The true name. Yeah. Je vais jouer le vrai nom. Ouais. Déclarer une carte. Regardez la carte au-dessus de votre deck. Et si la carte déclarée est la bonne, ajoutez-la à votre main. Vous pouvez aussi ajouter un monstre à votre main ou l'invoquer spécialement, un monstre divin depuis votre deck. Ok. Genre la sphère. Donc je rajoute ça à mon deck. Ouais. Oh. Oh, t'as vu un truc. Et du coup... Ça me permet de prendre Slifer et de soit l'invoquer, soit le mettre à ma main. Non, mais c'est pas soit tu prends ça, soit tu prends ça. Comment? Non. C'est pas soit tu prends celle du dessus, soit tu prends un divin. Non. Non, non, c'est un peu fort, quoi. Ok. Je vais le... Prendre un... Attends, j'ai 5 cartes. Fais voir 2 secondes, Slifer. En fait, le problème, c'est que si je le spé, il est détruit à la end phase, quoi.
Comment tu peux le spé? Avec ça? Ça, ah, ça oui. Me permet de l'ajouter à ma main ou de le spé? Oui, oui, ok. 8 Pardon. En fait, je vais le spé. Ok. Donc, il a 5000. Ouais. Je vais dire battle et je vais taper. Ok, je prends 2700. Et 1200, je prends 3009. Hop. Fin de tour. Du coup, ça s'est détruit. Ouais. Et c'est à moi. La Master Rule, c'est en OCG et en TCG aussi. Je vais faire mon storyboard du coup sur ça. Ouh. Alors, il est pas affecté. Tu peux pas. Est-ce qu'il est pas affecté par les magies? Ah, et même dans le. Bah, il me semble, hein. Light Phoenix, si tu peux nous confirmer. Mais... Cette carte efface recto sur votre terrain. T'es futé. Cette carte n'est pas affectée par les effets de magie. Attends, c'est le level. Frère, j'ai. Tant que cette carte efface recto sur le terrain, elle n'est pas affectée par les cartes magie. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Bah, du coup, c'est à quelle version la bonne? Non, mais. C'est. Parce que d'un côté, c'est pas précisé. Ça fonctionne, c'est que quand elle est sur le terrain. Ok, vas-y, vas-y. Tu récupères tous les points de vie que je t'ai enlevé, il y avait un jour de paix. Je t'ai enlevé des points de vie, mais on était sous un jour de paix. Non, non. C'était le tour d'avant. Ok, bon bah. Ok, du coup, je vais. Je vais jouer ça. Je vais attaquer ici. Devant Kishkai. Je perds 1100. Et lui, c'est quoi? Alors, lui, c'est quand il y a une carte magique à activer, je peux négate l'activation. Ok. Voilà. Tu peux, t'es pas obligé. Ouais. Eh ben, je suis dans la merde. J'avoue que ça sert pas à grand chose du coup. Peut-être falloir la mettre en défense. À toi, mon ami. Je pioche. Ouais. T'as pioché quoi juste pour moi? J'ai pas vu. Ok. Merde, c'est comme ça du coup. Tortue of Nai. À toi. Attends, t'annules l'activation et tu détruis la carte ou pas? Ouais. Ok. Oui. 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 Ouf. Je vais attaquer comme ça et comme ça. Alors. Et t'attaques comme ça. Et les renvoyer dans ta main. Ouais, normal. Et. End phase. Putain, putain, putain. C'est chaud. Horus, the Black Flame Dragon, level 8. À toi, level 8. Je pioche. Oh, interesting. You pioche, exactly, man. T'as pioché quoi? Oui, le jambe machin d'Exodia l'interdit. Exodia l'interdit. J'ai combien, moi? J'ai 5008. Pour l'instant, wow. T'as pas perdu trop. Ça met full la PLS ton truc. Hein. Oui. It's the but. It's the but. It's the fucking but, guys. Ah. Oh, is the Black Flame Dragon level 8. Insensible à toute magie, il est invincible. Non, en plus, il est même pas insensible aux magies. C'est genre, les miennes, ça marche, les tiennes, non. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est juste plus fort, quoi. Ding. Je vais jouer Dandy au diamant. Oh oui, Dandy au diamant. Ok. Je dévoile la carte au-dessus du deck. Et si c'est une carte magie normale, envoyez-la au cimetière.
envoyez-la au cimetière. Sinon, placez-la au-dessous de votre deck. Durant la main phase de votre prochain tour, vous pouvez activer l'effet de la carte dans votre cimetière, même si vous ne contrôlez plus cette carte. Ouais. Je peux activer l'effet de la carte. Ok, ok, donc je réfléchis au texte. C'est à toi. Torrey Nori. Je tac. Ok. Tain, ton truc qui baisse tellement mon jeu là, ton russe là. Techniquement, ça passe au russe LV8. Le dandy au diamant. En fait, Horus dit quand une carte magie est activée. Mais là, j'active l'effet d'une carte. Moi, je pense que c'est bon. Hein. Mais de toute façon, le problème, c'est que avec l'effet de dandy au diamant, je ne dois pas activer le coup de la carte. Et le problème, c'est que dans le coup de cette carte, il y a payé 2000 points de vie et il y a déclaré le nom d'une carte. Ouais, donc ça marche pas. Donc je peux pas l'activer. C'était pour l'envoyer au cimetière en fait. Je mets ça. Bah du coup c'est marrant ça. Pardon, excuse-moi. Et j'attaque avec toute ma puissance. Eh ben je prends 4500. Oui, 4500 et du coup tu commences à être dans la sauce. Et tu prends 500 supplémentaires. 5000, il te reste 800. Et je pense que c'est terminé mon ami. Non, tout va bien, tout va bien. Ok. Tout va yimbe, à toi. Il te reste 800. Ouais. Je vais attaquer ici. Bien joué. Je ne vois pas en quoi ça va te sauver, pauvre idiot, car j'attaque ici. Putain, non! Il m'a manqué une. Avec celle-là. Dommage. Aïe, 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 aïe. Dommage, frérot. En fait, tout le défi que j'ai voulu m'imposer, c'est de faire un deck Exodia qui puisse être agressif et non un deck ultra défensif, tu vois. Et là, le problème, c'est que ton Horus, il baisse tous mes magies, du coup, je suis. Allez, last. Après, on fait une last. Je vais jouer les héros. C'est surtout qu'en plus, moi, j'avais. Dans ma main, gros, j'avais Horus level 6. J'avais le truc qui permet d'invoquer depuis cimetière un level, n'importe quel level, mais ça te fait piocher deux. J'avais deux décrets royales. Donc ma main était naze de départ. Hein. Mais heureusement, tu m'as fait piocher vite un Horus level 4 parce que ma main de départ était cauchemardesque. Sachant que t'as aucun piège en plus dans le deck. Du coup, j'avais deux décrets royales là qui servent à rien. Attends, tu les as rem. T'as... Ah, tout est classé, gros. Okay. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Tout, 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 tout. Ah, j'ai passé mes vacances à faire 56 decklists. Tout, tout, you, tout. Tout, 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 tout. C'était un peu long. Alors là, la liste que je vais jouer, c'est une liste que m'a filé un viewer. Alors je sais plus où c'était. Si c'était dans un tournoi ou un endroit où on s'est capté, genre un truc chaud barrière, etc. Je l'ai laissé tel quel, mais je pense que sa liste, elle est. Il y a des trucs intéressants, il y a des trucs un peu moins. Mais on verra ce que ça va donner. On va dire que c'est à chier, quoi. Non, non, non. C'est ce que t'as dit, mec. Tout va bien. Les cifs, je fais de l'épilepsie. C'est quoi, c'est... Ah, c'est ça? C'est le fait qu'elle brille dans tous les sens. J'ai fait 6. Deux décrets royaux, non, parce que c'est une carte, donc du coup, c'est deux décrets royaux, quoi. Ça m'énerve quand je vois les cartes. 5. Non, en vrai, j'ai fait 1, donc... Quel... J'ai fait 1, j'ai relancé... un tricheur honnête. J'ai relancé, j'ai fait 6, donc c'était drôle, mais...
Oula. Un tricheur honnête, écoute. Oula, la bonne main de merde. À moi. À toi. Attention au karma, Xari. Que vas-tu faire ? Je sais pas. Je suis en train de réfléchir, mais je ne sais pas. Je vais jouer monsieur et je vais attaquer. Nouveau Néo, héros des éléments. Ok. Et je vais dire à toi. Je vais jouer chasseur de précision. Et je vais défausser une carte de ma main. Je lance un dé, je target une carte, si c'est pas 1 ou 6. Fais donc. Je vais détruire ta carte. Vas-y, vas-y. Je relis, lancer un dé à 6 faces, si le résultat est. Ça va, ouais. Genre tu connais la. Ok. J'attaque. Ouais. 1005. Ouais. Et à toi. Ah, il prend, ah, il prend. Du compétitif prévu bientôt. Oui, on refera un Yu-Gi-Oh! Un club Yu-Gi-Oh! Series. Je pense avant février. Donc il y aura du compétitif bientôt, il y a des petits projets en cours aussi, donc si vous aimez Yu-Gi-Oh, vous allez kiffer les prochaines semaines. Au-delà de l'âme, je sélectionne un monstre normal héros des éléments et je l'invoque. Il est considéré comme normal dans le cimetière et ensuite je vais activer son effet pour l'invoquer lui-même et il devient Néo, héros des éléments. J'attaque chasseur de presse. Ok. Je perds 400. Et je vais jouer Neospace. Ça fait Ça fait que tous les Neos gagnent 500 points d'attaque. Et tu sais, les cartes comme ça reviennent pas dans la main, quoi. C'est à toi. Hop là. Hop là. C'est quoi du coup ton deck en fait? Ah, je vais expliquer après. Ok. Pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Tin 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 tin. C'est 23h30 la fin du live. Après, vu qu'on est en fin de créneau, si on dépasse un peu, c'est pas grave. Oh, mais c'est une blague. Putain. Tu briques ? Bah, j'ai vraiment mis deux fois ce mob alors que c'est le pire mob ever. Tu sais que j'ai regardé dans ce deck là, il y avait quatre fois lui. Ah ouais ? J'étais. Ah, bizarre quand même. La petite coquille, quoi. C'est vraiment de la merde, ce mob, putain de merde. Est-ce que à partir d'avril, vous jouerez avec les nouvelles rules dans Club Yu-Gi-Oh? Alors, dans Club Yu-Gi-Oh, avec les decks rétro, non, on jouera pas avec les nouvelles rules, parce qu'on joue déjà pas avec les rules actuelles. Mais il y a de grandes chances pour qu'on organise un tournoi exprès avec les nouvelles règles, etc. J'invoque Neos Luminescent, héros des éléments. Ouais. J'attaque. Ça devient un monstre à 2000. Du coup, tu peux me le péter si tu veux. Ouais, moi okay. Je t'attaque. À toi. Je vais jouer top. Tu as un peu le seum là. À toi. Si seulement j'aurais pas joué ça, quoi. Si j'avais seulement joué. J'aurais pas joué ça, ouais. Si seulement j'avais pas joué ça. C'est non vraiment de la merde, ce mob. Seulement j'avais pas joué ça, c'est tout. Les règles ne prennent qu'à partir d'avril, oui.
Si à quatre fois... Tu peux me remonter top deux secondes. Si à quatre fois la carte, ça veut dire qu'on annule tous les victoires de Xar. Et effectivement. À toi. Pardon. Cœur farouche et je vais taper. Mec, GG. C'est la pire carte, elle est en x2, c'est pas normal. À toi. Ce n'est pas normal. Oh, ça par contre, c'est bien. Oh là là, le pot de cupidité de Xari. Pot de cupide. Libérer le plumeau de Damarpi, moi ça m'irait. En vrai. Pff, c'est trop chiant, putain. Vous le savez bien. Hein. Une âme charitable pour m'expliquer la diff entre TCG et OCG. Alors, il y a deux différences notables, d'après ce que j'ai compris. Il y a certaines rulings qui... Donc il y a certains points des règles qui se font différemment. Et il y a surtout deux autres points. Le premier, c'est qu'ils ont des cartes que nous, on n'a pas. Et inversement. Et c'est tout, en fait. Et une banlist différente. Voilà. Donc une banlist différente. Des cartes en plus chez eux et chez nous en plus aussi. Enfin voilà. Des exclusivités, quoi. Et des petites points de règles différents. Et par exemple, dans le format OCG, vous avez sur les cartes qui ont plusieurs effets, il y a marqué l'effet numéro 1. Devant, il y a un petit 1 avec un entouré, quoi. Devant l'effet numéro 2, il y a un petit 2. Devant le numéro 3, il y a un petit 3. Chez nous, on n'a pas ça. Donc, voilà. Alors juste désolé hein, je fais ça avant quand il y a lui qui s'appelle lui quoi pour piocher un. Ça sert pas à grand chose mais bon. Ensuite je vais défausser cette carte pour te faire défausser une carte. C'est son effet à lui. C'est au hasard hein. Ah c'est. Oui. Oh oui en plus. 1, 2, 3, 4 et je recommence. Ouais. 3 du coup. Pardon. Ah, dommage. Oh, oh, oh. La pire. Ok, j'attaque. Ok. Tu prends 1500. Attends. Attends, je réfléchis. Eux, ils doivent être envoyés. Dans la main à chaque fois s'il n'y a pas ça. Dans le fusion deck, s'il n'y a pas ça. À chaque end phase ou à chaque une de tes. Chaque end phase. Ça te va ? Ouais. Changer la position de combat d'un monstre face recto sur le tas. Ouais. À moi ? Ouais. Pioche. Viol en rage. Ouais. Et là, ça devient compliqué pour toi, normalement. Bah, ce deck est assez rincé, mais par contre, vraiment, ça m'étonne d'avoir mis deux limons. C'est vraiment... C'est très bizarre. Est-ce que t'as pas remplacé le quatrième mec là par ça ? Ça, c'est la carte que personne ne veut, hein. Peut-être. Je tape, je renvoie et je tape un 1005. Ouais. À moi, j'invoque Prismero des éléments. Ouais. J'attaque. Ok, je perds 200. Ouais, à toi. Oui. Je joue fracas. Ouais. Et je tape. Tu perds 200. À toi. Je pioche. Les matériaux. Ah oui, c'est vrai que les matériaux de la fusion ils retournent dans le deck. Je suis un fils de pute. C'est vrai que je l'ai pas fait deux fois de suite. Ok, Moustique Death. Ouais, prends deux compteurs à l'invocation. Donc tu peux me donner l'autre Death s'il te plaît. Et quand il va être détruit, je peux enlever un compteur à la place. Et pour chaque compteur qu'il a, il gagne 500. Je tape à 1005 et je tape à 1009. Ouais, je perds 3400. Et à toi. Ah là, c'est compliqué pour toi pour revenir, quoi. Eh ben, j'ai perdu. Ah ouais ?
Non, je peux faire ça et attaquer là. Mais j'ai quand même perdu, je pense. Ok, je passe à 1000 et je perds 200. À toi. Attends, je vérifie bien que c'est ça. Hein. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou invoquée spécialement, placez deux compteurs sur elle. Cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque carte placée sur elle. Si cette carte doit être détruite au combat, retirez un compteur à la place. Ouais, c'est ça. Donc à moi. Tu as combien ? Écoute, tu as perdu, mon cher Xari ! Ouais. Difficile pour toi, là. J'ai pioché trop de grosses cartes, là. Aïe, 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 aïe. En fait, ce deck, il joue avec ça. En fait, il joue quelques héros. Et il joue prodige qui se spé quand t'as pas de monstre sur le terrain. Et quand tu le sacrifies pour faire une invocation sacrifice d'un monstre héros, tu peux piocher une carte. Donc c'est un deck monarque avec ça, quoi. Il y a des trucs intéressants. Ça reste un peu classique, mais bon, c'est un deck un petit peu différent. Not bad. C'est un deck en plus, quoi. Bref, merci à vous d'avoir suivi cette émission Club Yu-Gi-Oh! On se donne rendez-vous dès jeudi prochain, 22h, pour un nouvel épisode. Si vous regardez ça en replay, j'espère que ça vous a plu, tout simplement. Faites des drops. On sait que le changement d'horaire n'est pas optimal, que certaines personnes ne peuvent pas regarder cette émission en direct, mais au moins vous avez toujours la VOD sur YouTube. Très prochainement, plein de nouveautés sur Yu-Gi-Oh! Avec, comme je l'ai dit, l'arrivée des Master Rules qui vont changer pas mal de choses au niveau compétitif. On se prévoit une date pour faire un club Yu-Gi-Oh! Series très rapidement, donc tournoi compétitif pour ceux qui aiment bien la compétition et un petit événement à venir. Non. Voilà, je vous en dis pas plus tout de suite, il va falloir attendre un petit peu, mais il y a des petites choses qui se préparent. Bref, merci à Xari. Dans un instant sur la prog, eh bien rien du tout. Passez une bonne soirée sur le stream. Au revoir. Au revoir.